Une plus-value est le gain obtenu sur la vente d'actions. À l'inverse, une moins-value est la perte engendrée lors de la vente d'actions. Les plus ou moins-values de cession correspondent donc à l'écart entre le montant de la cession d'actions et le montant de leur acquisition. Ces éléments ont un impact fiscal. Il est donc nécessaire de comprendre leur calcul. Regardons-le de plus près. Montant de la cession des actions, prix de cession unitaire fois nombre d'actions, moins taxes et frais de transaction de cession, moins montant d'acquisition des actions, prix d'acquisition unitaire fois nombre d'actions, plus taxes et frais de transaction d'acquisition, égale plus ou moins value nette de frais de courtage. D'un point de vue fiscal, c'est la plus ou moins value nette des frais de courtage qui est à prendre en compte. Pour toute question liée à la fiscalité générale, l'administration fiscale est mon interlocuteur privilégié via impots.gouv.fr. Pour en savoir plus, rendez-vous sur airliquide.com. À bientôt !